Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 491e épisode de Stationnaires saison 5, toujours sur Vulcain. Et ce soir, on va s'industrialiser la production de froid avec Change Device, les Fast Change Device. Donc on va essayer de peaufiner notre système. J'étais en train de faire quelques tuyaux. J'arrive au bout, j'arrive mon descend. Et l'idée, ça serait... J'adore ranger ces tuyaux en surplus. Ailleurs... radiateur supplémentaire. Change device, radiateur. J'aurais besoin également de heat exchanger. Et pour l'instant, on va pas s'en occuper tout de suite. Et je voudrais mettre en place. Et salut pauvre Zimega. Automatiser le système. Peut avoir trop à m'en soucier. Donc j'ai refait tout ce qu'il faut normalement. On récupérera la production de froid qui est ici. Je sais pas comment d'ailleurs. Il va falloir que je fasse un zigouigoui. J'aime pas les zigouigoui. Mais bon, pas le choix. Alors, déjà les radiateurs. Techniquement, j'aimerais me les mettre dans ce sens. Je pense que ça sera plus pratique sur le long terme. Ça permettra éventuellement d'agrandir. Il va falloir que je bouge un peu tout ça. Toi, je peux t'arrêter. Toi aussi. Alors, d'abord... D'abord, on va se déplacer la plomberie. Comme ça. J'ai un peu les mains prises. Qu'est-ce qui me fallait pour vous? Steel sheet. Non. Steel sheet. Tac. Et salut Greg. T'es sûr que ça va péter? Bah, obligatoire. Ce serait rigolo, mais ça serait pas obligatoire. Crowbar, toi, pour te déconstruire. Angle Grinder. Et Andrill. Et toi, on te met là. Ok.
Ça, c'est bon. Il reste un tuyau pour l'instant. Alors, comment je vais vous déplacer? La grande question, c'est si je purge ça, est-ce que le contenu de ça va là-dedans? Pas du tout. Quelques tests. Alors ça, c'est des tests que j'ai fait déjà juste la dernière fois. Ça n'a pas loupé grand chose, je pense. Comment je peux m'en sortir? Quel est le footprint? Là, on est d'accord de ce côté-là, on a une évaporation chamber. Je pourrais la mettre comme ça. Je vais améliorer l'efficacité de l'évap. J'ai pas remarqué qu'il subissait la lumière. Pas du tout remarqué ça. La convection non plus, hein, il dit rien. Ah, il y a 3 joules de convection. 10 joules de convection. Ouais. On va voir si on rajoutera pas effectivement, si on fermera pas à ce niveau-là. On va démarrer sans déjà. On améliorera l'efficacité par la suite. Où suis-je? Que fais-je? Donc toi, logiquement, je devrais pouvoir mettre
Condensation. Juste ici. Déjà construire ces deux là, qu'est-ce qu'il demande? Wrench stitch it. Puis welding torch. Donc toi, ta cible 6 dégâts. Ok, on va récupérer les tuyaux ici. Ah, non, peut-être pas là. Pas là, peut-être là, ça. Il va m'en manquer un. Il va m'en manquer un. Je veux te récupérer. Et salut Quentin. Si. Ah, si c'est facile. Faire passer par là. Et il y a des chances qu'on va se passer comme ça.
Ok. Quoi? 2,05 mégapascal. Toi, t'en as 6. Je peux te vider comme ça? Non. Je te purge, tu vas de quel côté? Ah oui, mince, ta fille, rhinopharyngite depuis 15 jours, ça bascule sur une bronche, sur une bronchite. Mince. Ah. Je sais pas si c'est traité à temps. Allez, mais... Et toi, je t'ai purgé, mais toi... Toi, tu veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis à 2,44, 164 degrés. Si j'ouvre ça... Ok, purge comme ça. Bon, au moins, c'est purgé. Donc, voir. Récupérer des yo. Impeccable, il faut que j'aille en relancer. C'était là. Non, ça synthé. Voilà. Sachant. Sachant que j'ai besoin. De gérer entre les deux
pressurante valve et une purge valve. La pressurante à 5750 et la purge à 5900. Ah zut. Corner dans l'autre sens, ça serait cool. Voilà. Il va me falloir une pressurisation en entrée. Donc, une filtration par ici. Est-ce que je peux poser des tuyaux à côté là? Vous êtes forcément là. Donc un kit Atmo. Une filtration ici. Là. Toi, par là. Est-ce que j'ai bien fait mettre là? Est-ce que j'ai besoin d'un circuit ici et d'une pressurisation là? Sauf que là, j'ai pas la place. J'ai
1, 2. Donc j'ai 3. On aime bien. Look. Look. Là, c'est mieux. Là, j'ai la place de pressuriser. Du coup, même... je pourrais monter d'abord comme ça. Tac, mettre donc ma pressurante ici. Oui, passer là. Que j'aurai absolument plus la place de passer. C'est une mauvaise idée. Mais plutôt comme ça. Démonte. Démonte ça, démonte. Démonte comme ça. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour démonter? Angle grinder. Ensuite, hand drill. Ensuite. Ensuite, on déconstruit. Et on pose comme on peut. Range-toi là. Voilà. Donc. Sur régulateur forcément dans ce sens là. Réglé, ça sera réglé à 6 mégapascal. Théoriquement, on a ça. Combien j'en ai là? 1, 2. Je pourrais en placer 2 par 1. Ouais, je pourrais faire pareil.
Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.